On m'a dit qu'elle est chanteuse gospel. Alors, madame, réveillez-nous, s'il vous plaît, avant votre discours. Ben, comment est-ce que je dois réveiller maintenant ici en Guinée-Conakry? Nous te disons merci Seigneur, merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur, merci mon roi. Pour ton amour, merci Seigneur, si mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur, merci mon roi. Pour la Guinée, merci Seigneur, mais mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur, merci mon roi. Amen. Cette femme exceptionnelle, ouverte et profondément religieuse, nous ne la reverrons plus jamais. Hélas, Blanche Bekeneke, alias Blanche Blessing, n'est plus. La présidente fédérale de la Fédération camerounaise des secrétaires, assistante et attachée de direction FECASAD, a répondu à l'appel de Dieu dans la nuit du 12 au 13 avril 2018 au Cameroun. Il y a un an, Blanche, alias Blanche Blessing, débarquait en Guinée à la tête d'une forte délégation camerounaise pour prendre part à la première édition du CISAFAL 2017, organisé par le Reposegui. Non seulement nous sommes venus, on aurait pu vous envoyer un service. Mais comme vous venez de l'avion, on a évité qu'il y ait un coup de fond. Ce que vous avez laissé au Cameroun, vous l'avez trouvé ici. Ça veut dire que c'est la tradition. Donc vous n'êtes plus au Cameroun, mais vous êtes au Cameroun. Vous allez nous dire. Et pour vous symboliser, là-bas on a les cloches, on a les balafons. Mais ici, on a ce que eux, ils ont appelé le djembé. Djembé. Et nous, nous sommes adaptés. Et on a utilisé ça, donc ça devient pour nous. Donc, pour vous souhaiter la bienvenue, nous avons voulu que vous écoutiez quelques secondes. Blanche Blessing et la Guinée, c'est une histoire d'amour qui remonte à plusieurs années. Elle a toujours rêvé de fouler un jour le sol guinéen. Ce rêve se réalisera. Et ça a été un honneur et un privilège qu'elle puisse nous inviter également à venir participer au premier symposium du CISAFAL ici en Guinée, Conakry. Donc pour le Cameroun, c'est une très bonne chose. C'est des nouvelles relations qui vont se nouer avec Reposegui et Mme Fatoumata. Mais le Cameroun va apporter beaucoup de choses, disons son savoir, parce que le Cameroun est presque la mère. La mère des associations, on peut le dire. Et comme Reposegui, elle a toute jeune, le jeune enfant qui vient de naître, le Cameroun se doit d'accompagner Reposegui partout, dans toutes ses activités. À son arrivée, Blanche Blessing accrocha tout le monde par son enthousiasme, son énergie débordante et surtout grâce à sa joie communicative. Thank you.
profondément croyante. Dieu était au début, au centre et à la fin de toutes ses paroles, de tous ses gestes. Nous te disons merci Seigneur, merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur, merci mon roi. Pour ton amour, merci Seigneur, merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur, merci mon roi. Pour la Guinée, merci Seigneur, mais mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur, merci mon roi. Blanche Bakeneke, dite Blanche Blessing, autrement dit Blanche la bénédiction. Tu t'en vas au moment où la communauté des secrétaires, assistantes et attachées de direction se réunit en Guinée, ton pays de cœur, pour célébrer le mois qui nous est dédié. Toutes nos pensées vont vers toi. Blanche, notre consœur, notre sœur, notre amie, notre présidente, va en paix. Et que le Tout-Puissant que tu as aimé, loué et vénéré, t'accueille dans son paradis. Amen. Comme on dit en Guinée, Wokema, Wonuwali, Alusoma, Alunike, Andiarama, Laoulse, Lanuwali. Vive le Cameroun, vive la Guinée, vive le premier Cisapal 2017. Que Dieu bénisse le Cisapal. Adieu, Blanche Blessing. Je vous remercie de votre aimable attention. Nous te disons merci Seigneur, merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur, merci mon roi. Pour ton amour, merci Seigneur, merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur, merci mon roi. Pour la Guinée, merci Seigneur, mais mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur, merci mon roi.